Ah, c'est cool. Ok. On va lancer le jeu. Un immense bravo pour cette victoire, les gars! Nos chances étaient quasi nulles! C'est une performance exceptionnelle! Vous avez battu tous les favoris! On commence sur les chapeaux de roue et on va avoir l'honneur de défendre le maillot jaune demain! Voilà. Bah alors, j'ai gagné le maillot jaune. J'ai gagné le maillot poids, le maillot vert, le maillot blanc. Classement par équipe, on est loin. Lotto Soudal. Non, c'est pas nous ça, Soudal. C'est l'auto Saeras. On est loin, putain, ouais. On part l'équipe. Bon, bref. Et plus combatif. Ouais, archi. Putain. Mérité quand même, hein. Bon, bref. Call full song. Ok. Je sais pas trop comment la jouer celle-là là. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Comme on a le maillot de leader, on va devoir assumer nos responsabilités et assurer le rythme du peloton. Les équipes intéressées par la victoire d'étape devraient nous prêter main forte dans le final. On n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Si on veut se montrer, va falloir prendre l'échappée matinale. Bonne étape. Oui, allô. Allô? Achète-toi un téléphone, j'ai rien compris. J'aime bien la musique du jeu, elle est pas mal. Alors, je sais pas trop comment je vais la jouer. Hein. Faut que les points montagne, je les laisse prendre par Kamna. Pour bien, hein, ça serait mon idée, je ferais ça. Je laisserais Kamna partir devant. Ensuite, Hirschi qui reste dans le peloton qui mène la danse. Et potentiellement, après le ravitaillement, s'échapper devant pour faire gagner Hirschi. Ouais, je vais faire ça. Ça va? Hein? Bah ce matin, ouais. J'en ai sûr. Ouais? D'accord.
Vas-y. Bah ouais, vas-y. Ouais, j'arrive. J'arrive. Mesdames et messieurs, bonjour. En l'absence de difficultés notables, on imagine aisément que les équipes de sprinteurs prendront le contrôle de la course pour provoquer une arrivée groupée. Ce sera ensuite aux sprinteurs de saisir leur chance pour succéder à Marcel Kittel, dernier vainqueur à Pau en 2010. Bah les gars, je fais une petite pause, j'en reviens. Je suis là dans une minute.
regarde. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise encore? Regarde. Je vais te montrer. Non, non, je vais me dépêcher. Document. Non, dans télécharger. Regarde ça. Non, je te mets pas le son, ça sert à rien, on s'en fout. Hop. Donc je pars avec Pierre Roland au début. On s'en fout de la mise à jour. J'avance un peu. Là, j'ai dû partir parce que je sais pas, tu m'avais appelé pour donner le biberon. Genre. Hop, on avance. Et le plus important, ça va être là. Regarde. Juste avant la grande côte. Après, il y a le contrat à moitié, il est pourri. Et c'est avec. Ah, tu vas voir. Bah attends, tu vois, là je joue pas le sprint. Juste avant la grande côte. On est dedans là. Ouais, regarde. Batte-moi cette montée. Cinquième position. Hein. Donc il y a des mecs devant, tu vois. Je tiens mon allure. Pas de panique, j'essaie de prendre les bonnes trajectoires. C'est un petit poil parce que la côte elle est vraiment longue. Et je vois la vie qui commence à descendre. Je me suis dit, oh putain, ça ira pas au bout ça. Là, je demande à mon coéquipier qui vient de me protéger. Du coup, son coéquipier va passer là. Il va se mettre devant lui. Voilà. Bon, il va se mettre dans le rouge, mais on s'en fout, c'est juste pour qu'il me protège. Je prends ma santé. Ouais, à la moitié, je me suis dit, ça ira pas au bout. Ça va pas aller au bout. C'est tout, il est lâché. Il tient quand même, hein. Il tient la forme quand même. Mais tu vois que sa barre bleue, elle est... Ouais, moyen, quoi. Faut que ça aille au bout. 5 km de la fin. Toujours là, Fragler, hein, mais il est mort, là. Ça y est, il est lâché. Je me mets dans les roues de Benoît. Là, on arrive dans les. Regarde les pourcentages de montée. Comment c'est raide. Là, on va arriver sur la fin. On est à 4 pour jouer le final. J'ai plus beaucoup de santé. Ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout. Et regarde. Ils partent. J'essaie de les rattraper quand même pour pas qu'ils s'échappent. En essayant de minimiser ma barre quand même, parce que je me suis dit, si je me crame direct, c'est mort. Je reste dans les roues de Benoît. Le dernier kilomètre. Je prends toutes mes barres de santé. Je vois qu'il s'élance et je dis, c'est bon, je m'en vais. Je pars. Il avait du jus. Je regarde derrière moi à un moment donné pour voir s'il était derrière. Personne, nickel. Une très belle victoire de Kamna. Et regarde celle-là. Ça, le contrôleur montre s'il est à chier. Je me suis planté. C'est bien parce que je vois le temps que t'as joué en plus. Enfin. De jouer, non, parce que j'ai. Le temps où t'étais en live. Oui. T'as joué plus, je pense. Non voilà. Mais non, je l'ai lancé quand. Je l'ai lancé hier et quand tu m'as demandé de nourrir la piotte et de remettre de la cheminée, je l'ai laissé tourner. Mmh. Donc, non, j'ai pas joué longtemps. Hein. On va aller jusqu'au sprint. Je crois que je l'ai joué. Je sais plus si je l'ai joué. Il me semble que si. Si je joue le sprint. Vu comment je suis placé, je joue le sprint. Cinq kilomètres, on va avancer encore un peu. Il y a des mecs devant. Je joue le sprint, mais il y a des mecs devant, donc du coup je vais gagner, je sais plus, 10 points, je crois. Je sais plus où, mais je vais prendre 2 points. Pas beaucoup.
joue le sprint. Moi, je les ai défoncés. Hein. C'est tout. On avance un peu. Ah, tu m'as demandé de mettre le bois, là. Regarde-moi ce final. Godin qui me protège. Il fait un super travail. Il va emmener quasiment jusqu'au bout, Godin. Il va se cramer sur la fin, mais... Ah, ça se bouscule, là. Ça y est. Et là, je vais m'envoler. Tout seul comme un grand. Le dernier kilomètre. Oh puis bah alors là, il va se prendre un suppositoire. Là j'étais pas serein. Mais c'est bon, ça passe. Et voilà. Et du coup regarde, je gagne le bleu, le jaune. Je gagne le jaune, le vert, le poids. Et c'est tout. Pas de travail de ouf ça. Débar. Ah là là, ça c'était une course ouf. Hein? Elle dort? Elle dort? Non. La télé? Oh ouais. Putain. T'es bien installé, hein, bien tranquille, la tête tournée et vas-y que je fasse un. Ah la vache. Ouais, bah oui. Les coureurs viennent de s'élancer et ça attaque déjà. On va prendre le deuxième train, nous, par contre. On va prendre le train de Bennett. Et je veux que Godin protège Hirschi. Ok, je vais le protéger. Ce n'est pas toujours idéal d'être en surnombre dans une échappée. Car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. Moi, je lâche pas Bennett. Ça s'anime en tête de peloton. Quoi que je vais essayer de prendre le train. On va essayer de les prendre quand même. Allez. Voilà. Et on décide de collaborer. On est en début de tour. Les sprinteurs ne laisseront pas partir de grosses échappées. S'il y a plus de 5 ou 6 coureurs devant, ils devraient faire rouler leurs équipiers. Le peloton vient d'opérer la jonction avec l'échappée. Ah, la tanasse, hein, ça part pas. Tu vas pas pouvoir Il faut rappeler le patron qu'il a modifié le devis en fait. Déjà, il a enlevé tout. C'est plus ou moins cher? Ça est au même prix. Ouais. Mais en fait, a priori, il me dit qu'il s'était trompé. Il avait mis que c'était une Atlantique et en fait, c'est une Chappée. Alors, il a remis à comme il faut. Ok. Bon, j'espère que c'est. Et à quelle heure? Il a pas dit, mais je vais essayer de le rappeler là du coup. Ok. Qui est encore très longtemps. Le peloton est maintenant rentré.
peloton groupé. Ça n'a pas l'air d'être un bon jour pour lui. Il est en train de se faire lâcher. Secondes d'avance. Ça a l'air bien parti. Vous avez passé la barre. La minute d'avance sur le peloton. À 2 km du grimpeur. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Ne laisse pas le contre rentrer. Le peloton ne laissera pas partir un groupe aussi nombreux. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin.
De quoi ? 04, 65, 65. Non, j'ai rien. Oh, ça a tout le temps de l'appel, ça a duré. Non, j'ai rien. Il m'a dit que normalement, dans la journée, ça devrait être fait, mais par contre, il va y avoir une mise en service chaud-froid qui doit être faite dans la semaine. C'est-à-dire ? Bah, je sais pas. Il m'a dit honnêtement, il dit c'est du chantier à mon copain, c'est lui qui a le chantier. Donc, ouais, bon, on verra tout à l'heure. Vas-y, on verra tout à l'heure. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Nouveau jeune en tête du classement des moins de 25 ans. Et c'est toujours un gars de l'équipe. À la base, c'est un coureur régulier et très bon dans l'exercice du contre-la-montre. Wilco Kelderman est un coureur complet, qui a déjà terminé dans le top 10 du Tour d'Italie et du Tour d'Espagne. Le peloton a une 30 de retard sur vous. Le peloton est maintenant pointé à une minute. Il va falloir accélérer le rythme. Son équipe a commencé à mettre en route derrière. Nouveau leader virtuel, c'est toujours un gars de l'équipe. Dernier pointage avec l'échappée, une minute. 30 secondes d'avance pour la tête de course. L'échappée perd du terrain. Fin de l'échappée. Tout reste à faire.
Ça attaque encore. Allez, on y va. Tes compagnons d'échappée ont l'air de vouloir accélérer le rythme. Vous avez 30 secondes sur le peloton. Voilà. On n'est plus très loin du sprint intermédiaire pour les hommes de tête. Celui qui passera en tête empochera 20 points supplémentaires pour le classement par points. Hop. Vous êtes à 3 km du sprint intermédiaire. Je collabore plus. Non bah relayer, hein, de toute façon on n'a pas trop le choix. Il faut que mes coureurs ils. Comment dire, ils se relaient. Là, je peux pas faire gagner tout avec Hirschi là. Il a le meilleur. J'aime le veau. Eh hey. Merci pour ton follow. Vous avez 30 secondes d'avance. Par contre j'ai pas encore ton nom qui apparaît, je suis désolé. Tu ne t'es pas fait d'amis aujourd'hui. Diego Jove, 27, merci. Salut. Tu vas bien? T'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué. Toi aussi, tu aimes le veau. T'as 30 secondes sur le peloton. Moi, ça va très bien, et toi? Je suis en pleine course, là. Je vais essayer. J'ai le maillot jaune. Donc, on va essayer virtuel de le garder. C'est toujours un gars de l'équipe. On va essayer de finir. On est pas mal classé là, donc c'est cool. Un kilomètre. Il n'a pas suivi. Hein. Non, on est bien là. Le coureur qui roule passera en tête au sommet de la prochaine côte empochera un point pour le classement du meilleur grimpeur. Vite, elle va chercher le point. Après on va voir avec qui on va terminer. Un peu tendu. Ouais c'est bon, ça passe. Voilà. Bon, il reste quoi là dans la course? Le ravito, ouais, bon ok. Encore une montée. On va la tenter avec Kamna la montée. Et puis le final avec Hirschi. Vas-y, ça marche. J'habite en Espagne. Hey. Et tu parles français, t'es français ou du coup espagnol? Parce que tu parles bien espagnol, je trouve. Français, c'est pas mal. Du coup, je me tâte. Fraglé ou comme là. Attends. Excuse-moi. C'était quoi ça? Ok. Hein? Ouais. Du coup, on va prendre Kamna. On va prendre Kamna et. Ah putain. Et Roland. Attends, il est. Gère bien ton effort. Prendre Kamna du coup. Ça va être difficile de lutter tout seul face au peloton. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Ah bah si on peut plus le perdre, on va peut-être pas jouer le. Voilà le classement le du dernier grimpeur. C'est pas une pratique française. Ok. Bah tu parles super bien français. Bienvenue sur la chaîne. Mark Cavendish est un sprinteur à l'accélération foudroyante.
Avec plus de 40 victoires d'étape à son actif sur les grands tours, dont 30 sur le seul Tour de France, The Monk's Express, comme il est surnommé, aura de toute façon marqué l'histoire du cyclisme. On est pas mal là. Là, on est pas mal là. C'est un équipier de luxe. Il va tenter d'aider son leader au maximum. Là, on est vraiment pas mal là. On va récupérer tous les ravitaux. Voilà, une minute trente de retard pour le peloton sur la tête de course. Il y a des mecs devant là, en vrai. Ah, toujours Pierre Roland. Pierre Roland, il s'est barré quoi. Ok. Lol. Ah, Pierre Roland, il s'est barré. Bah écoute. Tant qu'il se crame pas, ça va. Hein. En vrai. Non, on est pas mal là. On revient sur Roland là. On revient sur Roland. Ouais, parce qu'il ira pas au bout. Je vais dire qu'il arrête. D'accord, je l'attends. Ouais, ça sert à rien qu'il se crame. Avec Kamner, on va essayer de viser la montée. Dernier pointage avec l'échappée, une minute. Secondes d'avance pour la tête de course. Voilà. On les retourne derrière. Le temps groupé. Et lui, je pense à où. Ça attaque encore. Ah merde. J'ai pas réussi à prendre sa roue, putain. Allez, prends sa roue. Voilà. 30 secondes entre vous et le peloton. Il prend la tête du général, attention les gars. Mais non, dans sa tête ça. Roule tranquille, voilà. Le peloton est maintenant pointé à une minute. C'est pas mal ça. C'est pas si mal. T'es le mieux placé au général dans l'échappée. Avancer un peu plus vite. Rien d'intéressant. Le peloton a une trente de retard sur vous. Hein? Oui, je finis ça, j'arrive. Oui, mais j'arrive. Oh. Le peloton est maintenant pointé à une minute.
L'adversaire hausse le rythme pour résister au peloton. Vous avez 30 secondes sur le peloton. On approche de la dernière difficulté. Une excellente occasion pour les moins rapides au sprint de tenter une attaque de loin. Mais attention, le peloton n'a pas dit son dernier mot. Et il est peut-être préférable que les échappés continuent d'unir leurs forces. Regroupement général, tout va donc se jouer dans le final. Ça bouge en tête du peloton. On prend les commandes du général Virtuel avec un autre gars. Ah là, ça c'est fait et on prend Hirschi maintenant. Allez, et on vise le final. Bon, on va se mettre en tête. Attention, de peloton. On va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Allez, bougez-vous. C'est pas de la place là, faut que je passe, faut que je me mette le en tête de groupé. Peloton. Oui, bougez là. Putain. Bouge. Super bien géré la course. Allez, suivant. On est bien là, on est bien placé. J'aime le veau. Merci pour ton follow. Bienvenue dans le J'aime le veau. Flavien Gamer, il y a quoi comme maillot Kamna? Il a le maillot. Il a récupéré le maillot à poids là, je crois. Et Hirschi a mon maillot jaune sur le. Je sais plus sur quelle course on est en train de faire là. Le retour, je crois. Et avec un peu de chance, il risque de prendre le maillot blanc là. Mais je vais te montrer mon équipe après. 10 km, on se dirige. Là, on n'est pas trop mal, là, vraiment. Je compte sur vous pour gagner l'étape et conforter notre maillot vert. Regarde bien l'attitude des autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint. J'aime le veau. Pour poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras bienvenue pas dans le temps la J'aime le veau team. Le truc ringard. Là on est pas mal là. Vous la sentez la victoire là au sprint? Vous la sentez la victoire de Hirschi? Je la sens bien moi. Allez. Encore quelques mètres. Encore quelques mètres. Allez. On va prendre un peu de bleu. Ça va en prendre trop. On va en garder un peu sous le coude quand même. Plus allez. Que 5 km. Préparez-vous au sprint. Vas-y Fraile, passe devant s'il te plaît. Protège-moi. Vas-y Fraile, c'est bon. Vas-y roule mon petit, roule. Allez accélère. Accélère Fraile. Allez.
pris la route Bossenhagen, j'aurais bien prendre la route Greppel, si je peux. Plus ouais, que si. 3 km et c'est un peu. Ah, je commence à être enfermé, j'aime pas ça. Va se disputer la victoire. J'aime pas ça. Il accélère. Ah, on est enfermé. On va essayer de prendre la droite. On commence à sprinter. Oh la vache. La flamme rouge, le sprint est lancé et la victoire est pour le sprinteur aujourd'hui. Allez Hirschi, vas-y mon petit. Allez, vas-y mon petit. Allez. Et c'est la victoire de Marc Hirschi. Yes ça. Ça c'est une belle victoire. Ah là là, quelle belle victoire. Il revenait en plus Bossenhagen, je crois. Je crois que c'est Bossenhagen derrière. Oh là 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 là, cette victoire. Merci Lua. Oh cette victoire. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Marc Hirschi. Il est en tête du classement. Il est en tête. Marc Hirschi a tout raflé là. Il a tout gagné. Il est trop fort. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Ah, si, c'est ça, c'est Bossenhagen. C'est bien ce qui me semblait. Revenez vite derrière moi. Jaune. C'est une journée parfaite. Donc, qu'est-ce qu'on a comme maillot là? On a le maillot jaune. Bon, ça, c'était logique. On a le maillot à poids avec Fraile. Du coup, c'est Fraile qui va le porter. Ok. On a le maillot vert. Et bon, ça va être Trentin qui va le porter. Et notre coéquipier le plus mieux classé, c'est Roland avec 20 points. Ouais, 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 il portera pas quoi. Ouais, je suis sur PC, ouais. Le maillot blanc, pas Hirschi, mais c'est Philipsen qui va le porter. Kamna, plus 20 secondes. Ça va être compliqué de le faire porter le maillot. Bon, c'est pas grave. Et la team Movistar et le plus combatif c'est Gunshen. Ok, 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 ok. Il aurait pu mettre Kamna quand même. Ouais, si Kamna. Ouais, ouais, 57 sur 96. Ouais, 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 ça se vaut, ça se vaut. Ça se vaut, ouais. Ouais, bon, tant pis. On récupère les points. Ouais. Ouais, 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 je joue sur PC, mon gars. Bon, les copains, je fais une légère pause. Je reviens. Je vous dis à tout de suite, d'ici, allez, moins de 5 minutes. À toutes. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Comme on a le maillot de leader, on va devoir assumer nos responsabilités et assurer le rythme du peloton. Les équipes intéressées par la victoire d'étape devraient nous prêter main forte dans le final. On n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Si on veut se montrer, va falloir prendre l'échappée matinale. Bonne étape! Et me revoilà. Ouh. Ah, et ben mon
te veux, il fait pas chaud chez moi. Putain, je suis gelé. Alors, pour cette course-là, j'ai bien envie de refaire la même, partir avec Kamna, finir avec Roland, enfin, Kamna, Frailey, Roland, Frailey, Kamna peut-être sur les deux derniers, et finir avec Kirshi. Allez, on part comme ça, c'est parti. Bonjour à tous. La dernière arrivée à Toulouse, en 2008, avait couronné Mark Cavendish. Eh bien, il est fort probable de voir à nouveau un pur sprinter lever les bras dans la ville rose, compte tenu du parcours proposé cette année. Allez, ma poule. Allez. J'ai envie de prendre l'échappée, bougez là. Les coureurs viennent de s'élancer et ça... Ah, vu que Frailey est en poids, je vais prendre Frailey de suite et prendre l'échappée. On va faire l'inverse. Attaque déjà. Ah, je suis pas dans leur roue, putain. Bon les gars, il devrait pas y avoir trop de surprises aujourd'hui. Même s'il y a des petites bosses, elles n'ont pas de quoi effrayer les sprinters. Tu commences la prochaine saison aujourd'hui. Ouais. Là, je vais faire la saison 3, là. Il me reste deux courses je crois à faire et je commence la saison 3. En tête du peloton. Donc on va voir si j'ai le temps parce que j'ai des trucs à faire aujourd'hui. Mais logiquement c'est dans mon optique de faire la saison 3 là juste après. Donc nouvelle équipe, tout ça. Voir combien de thunes j'aurais gagné, voir si je peux racheter des coureurs. Enfin, tout ce qui va bien quoi. Donc voilà. Donc là on a pris échappé, on va essayer de collaborer avec eux. Et de prendre de l'avance. Hein. À 4 ça peut être jouable. Le peloton vient de rentrer. Ah là là, personne prend l'échappée. Il n'y a donc plus personne échappé. Putain, pourtant on collabore avec eux. Hein. C'est dingue ça. Tu comptes garder Hirschi? Ouais, je pense, ouais. Ouais, vraiment, Hirschi, pour moi, c'est Hirschi, quoi. T'as la personne qui prend l'échappée, hein. Putain. T'en as pas un qui peut partir avec moi, là? J'arrive pas à prendre l'échappée, là. Ça me prend la tête. Je pense que je vais la jouer manuellement, l'échappée, parce que personne qui suit, là. On va revenir sur eux, de toute façon, sans forcer... L'échappée possède 30 secondes d'avance. Ah non, ils prennent de l'avance. Attaque en tête de peloton. Allez. Ah ouais, Hirschi, pour moi, il est exceptionnel dans cette saison-là. Il est époustouflant. Il a virtuellement pris le maillot jaune. Rien de dramatique, l'étape est encore longue. J'ai ça où, les équipiers accélèrent. Putain, j'avais sa roue, bordel. Putain, ça me prend la tête, ça. Ouais, mais putain. On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Je suis en train de cramer Frailey, bordel. Ah, ça me prend la tête, putain. Quand ça, tu veux prendre la roue, ça marche jamais. Putain, c'est vraiment relou. Putain, on va arriver dans la montée, j'ai plus de rouge, quoi. Bon,
pars avant, à se concentrer, on va rester un peu derrière. Putain, c'est même pas dit que j'arrive à choper le col là, bordel de merde. C'est pas grave. Personne qui peut me protéger de mon équipe là. Hirschi, mes formes, il était en vert tout à l'heure. Oh putain, chier. Ouais, se faire protéger par Pierre Roland, on n'a pas trop de choix. Hein. Ok, je viens de protéger. Rouge, hein. Ah, ils prennent à fond de l'avance pour le col, ça va être cramé. Mais ils ont pas voulu prendre l'échappée avec moi parce que j'ai le maillot à poids et que je suis trop dangereux pour eux, je pense. Je suis sûr que c'est ça. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. J'ai pas dit mon dernier mot. Allez Roland, tu roules pour moi. Attaque en tête de peloton. Oh, si ça attaque, j'y vais. Tant pis, Roland, reste derrière. Alors, Flavien Gamer. Regarde, tu vas devenir modo dans peu de temps, regarde. Voilà. T'es devenu modo. C'est mort, je pourrais pas prendre le col, ça casse les couilles. Ce qu'il sait faire le mieux, c'est rouler. Sérieux, on peut pas dire qu'il soit à son avantage dans les bosses ou dans les sprints. T'as ouf, toi. Dégage. Les équipiers ont déjà commencé la poursuite, probablement pour arriver au sprint. Flavien le gamer, je te connais pas. Moi. Attaque en tête de peloton. Allez, je prends le premier train qui part. Faut les rattraper. Ah, mais ils cherchent à me cramer, hein, les fumiers. Ah, c'est un beau grimpeur. Eh putain, sérieux. Ça me rend ouf, ça part pas. Attaque en tête de peloton. Voilà, on reste comme ça. Faut pas paniquer là en fait. Ça peut être jouable. La première côte de la journée est classée en quatrième catégorie. Il y aura donc un point à marquer. Vas-y, loup, Pierre Roland. Protège Fraile. Dépêche-toi. Pour le classement de la montagne. Dépêche-toi, mon petit. Dépêche-toi, mon petit. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Ah, ça va être tendu. Ok, je viens de protéger. Ah, c'est mort, j'aurais pas le premier point. Tant pis. Ah, quoique. Oh, quoique. Allez, 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 sur la ligne, sur la ligne. Ah non, je l'aurais pas. Okay. Voilà le classement du dernier grimpeur. Et merde.
Allez, récupère du jus. Ah putain. Moi j'ai rattrapé les échappés au moins. À la base, c'est un coureur régulier et très bon dans l'exercice du contre-la-montre. Wilco Kelderman est un coureur complet qui a déjà terminé. Attends, je vais regarder quelque chose avant. Un classement. J'ai 3 points et ils viennent d'en mettre un des marquis, je crois. Non, c'est pas des marquis, c'est. Comment il s'appelle ? Des nailleurs, je sais pas quoi là. Il est dans le top 10 du Tour d'Italie. Donc on est bon. Et du Tour d'Espagne. On est bon. Faut que je prenne le deuxième. Faut que je reste avec ce train-là en fait. Voilà. Ils reviennent. Le peloton se met à rouler derrière toi. On dirait qu'il veut pas un mec de plus en tête de course. Les équipiers accélèrent. Il leur a sûrement demandé de reprendre le contre pour éviter une trop grosse échappée. Voilà, on va rester derrière lui. Voilà. Voilà. Pour le moment, on est pas mal. Ça attaque derrière. Allez, on descend tranquille. J'étais pas ban, j'étais expulsé. J'étais expulsé temporairement en fait. Ah, pas de problème. C'est le mieux placé. Parce qu'on n'est pas assez pour qu'il vienne modo. Enfin, je sais pas, c'est logique. Ça attaque derrière. On n'est pas amis donc non, tu n'es pas modo. Tu me laisserais les clés de chez toi pour que je vienne faire la fête? Bah, là c'est pareil, je n'ai pas les clés de ma chaîne pour qu'on s'amuse quoi, non? Je connais pas. Les autres en ont marre, tu ne roules pas assez. Ils vont sûrement essayer de te lâcher. Le peloton vient de rentrer. Il n'y a donc plus personne échappé. Allez. Tu ne t'es pas fait d'amis aujourd'hui. Ton attitude va inciter tes adversaires à attaquer. Je collabore, qu'est-ce qu'il fait ? Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. De faire la différence en fin de course. Ils sont loin,
Bon, ça va être compliqué dans la montée, là. Quand on a un très bon sprinter dans l'équipe, il est logique de rouler derrière les échappés pour favoriser un sprint massif et jouer la victoire d'étape. Sauf si un coureur de cette équipe est présent dans l'échappée. On a 2 minutes, ça peut le faire. Ça peut le faire. Alors on a décidé de plus collaborer. T'es le mieux placé de l'échappée pour le classement de la montagne. Jusqu'à la montée. Ouais, ça va tranquille. Ça va tranquille. Cinq kilomètres, allez. On collabore plus, on y va, on y croit, ça devrait passer. Boric, Prades, on va prendre la route Prades. Ah putain, je l'avais. Merde, j'ai merdé. On va prendre la route Prades. Allez, on va lâcher le fauve après. Après on partira avec Pierre Roland ou je sais pas qui. On va voir. Peut-être Kamna quand même. Je sais pas. On va voir. Je sais pas c'est qui mon maillot vert. Merde, je sais plus. On regardera après. Allez. La prochaine difficulté est répertoriée en 4e catégorie. Ouais. Tu me laisses finir ma course ? Ouais, vas-y, vas-y. Vous êtes à 2 km du grimpeur. Allez. Il lance le sprint pour le grimpeur. C'est maintenant qu'il faut y aller. Je les ai déposés. Ça revient vite quand même. Voilà. C'est bien. T'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Parfait. Pour le moment, pas. Normalement, tout roule sur des roulettes. Donc là, il y a le sprint. Je vais juste vérifier le classement. C'est Hirschi le premier. Ouais, mais Hirschi, non, je le fais pas passer le sprint. Du coup, le meilleur de mon équipe, il est où? De la lotte, c'est Pierre Roland. Eh ben, on va jouer avec le Pierre Roland. Par contre, les copains, je vais faire une petite pause. Et je reviens. Faut que je fasse pipi.
chaud, mon neveu. Ah, il fait vraiment pas chaud. Ah, la Vérole. Peut-être m'en refaire un café, moi, avant de rattaquer, là. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Un petit café ou pas un petit café, là? Ça me dirait bien, moi, un petit café, là. Bon, on reste dans les roues et on va repartir avec Pierre Roland, du coup. Allez. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Ça sert à rien de se mettre trop en avant. Les gars, ils sprintent, mais il n'y a pas de points en jeu. Ils sont cons. J'ai vu que le Mejane est en danseuse. L'écart augmente. C'est bien d'avoir placé du monde dans l'échappée. On n'a pas besoin d'assurer le tempo. Ah, la blague. Du coup, on va essayer de la jouer avec... Parce que là, je vois qu'ils veulent pas avancer, le peloton, donc on va essayer de la jouer... On va voir... Ah non, si, ça descend, c'est bon. C'est bon, le peloton a décidé de rouler. Parce que sinon, on l'aurait joué avec... avec mon coureur. L'échappée perd du terrain. Eh bah, prends ton coca. Coca, c'est pas bon pour le ventre, ça donne des brûlures d'estomac. Ah, je vais me faire un café, y'a pas pu, j'ai trop froid. Allez, j'arrive, je vais me faire un café. Il est déjà coulé, donc ça va aller vite. Allez, on y retourne. Désolé. Oh putain, j'ai froid, sa race. Oh. Et main bleue, tellement que j'ai froid. On va rallumer le chauffage. Bouh. On a deux doigts de le remettre, le chauffage, bordel. C'est dingue ça. On revient sur les échappées ou pas? Oui, doucement. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Ouais, mais on revient sur eux quand même. Est-ce qu'on peut pas laisser rattraper comme ça? Ouais, bon, on revient sur eux, donc c'est cool. On va prendre les routes qui là, parce que j'ai pas envie de me faire niquer. Prendre les roues de... Ah, ça roule hein, chez la Total. Hein. Ils ont trois gars devant, là. On va prendre la route Simon. Allez. Ah, ça, c'est cool. Des fois, ma manette, elle se déconnecte et j'ai trouvé la touche pour faire pause. Ça, c'est cool. On est pas mal. L'écart reste stable entre le peloton et l'échappée. Ah mais faut qu'on les rattrape là, y a pas moyen. J'ai fait rouler les gars de mon équipe hein. Ouais, j'ai fait rouler les gars de mon équipe. Fais pas flipper comme ça toi.
cherche des coups de boule, toi. Non ? Bah, dans 5 minutes. Tiens, elle donne une claque sur le cul. Ok, je viens de protéger. Trop de claques sur le cul, ça hier, ça. Bah, évidemment. Surtout que les gars du live, ils entendent tout. Hein. Attends, j'entends pas avec le casque. Il est dans la boîte pile, normalement. Normalement. Ah non, il est là, pardon. Ah ben, je sais pas alors. Allez Godin, passe devant. Godin ou Godin, je sais pas comment on dit. Si vous savez les gars, dites-moi. Allez mon petit Godi. Ton équipier est le mieux classé à l'avant de la course pour la montagne. Allez, c'est le sprint que je veux. Moi. Avec Roland. Donc faut accélérer le tempo les gars. Et après cette course là les copains, je vais arrêter peut-être une petite heure. Parce que j'ai quelques petits trucs à faire à la maison. J'ai ma fille qui a la sieste donc je vais en profiter. Et je reviendrai après. Donc merci pour vos follow les gars, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à passer, je vais pas faire que du vélo, hein. Je vais faire pas mal de jeux, je suis un multi-game Twitch. Enfin, je fais multi-game. Et puis voilà, on fait du GTRP aussi. On fait pas mal de choses. Donc voilà. C'est good. Minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. C'est l'heure du ravitaillement pour la tête de course. Ok. Là, on est pas mal. On va prendre un peu de potion magique. On va profiter vu que le ravitaillement est là. Godin, pareil, tu vas te ravitailler. Profites-en, il y a le ravitaillement. Ok. Et Fraile. Il est du tout rien. Ça marche. Je me ravitaille. Voilà. Allez, on est à 1:23. Et Frailey, j'ai bien envie de lui dire de revenir derrière. Pour qu'il se conserve. Ouais, on va faire ça. Tu fais quoi après comme jeu? Bah tout, tous les jeux. Attends, je vais te dire un peu ce que j'ai sur le PC d'installer. D'installer, hein, parce que j'en ai plein d'autres. Attends, j'aurais bien voir ma barre là. Alors j'ai Assassin's Creed Origins, Bus Simulator 2018, City Skylines, Counter Strike Source, Epic Game Launcher, mais ça c'est pas pour comment il s'appelle ce putain de jeu de merde, Fortnite, c'est pour les jeux gratos qu'ils proposent tous les mois là. Donc Epic Game machin, Euro Truck Simulator 2, Farming Simulator 19, FIFA 20, 5M, Football Manager 2020, Grand Theft Auto 5, Just Cause 4, Kingdom Come Deliverance, ça j'adore, faut que je le fasse en live celui-là. Les Sims 4,
Mafia 2 Definitive Edition, Mafia 3, NBA 2K20, Need for Speed Playback, Overcooked, Project Car 1 et 2, PUBG Lite, Rising Storm 2 Vietnam, Tour de France 2020, et c'est tout pour le moment. J'ai Farming Simulator 2019 et Tour de France 2020. J'ai les deux. Et j'en ai plein d'autres, hein. Après, j'ai pas... J'en ai encore sur... Uplay. Donc, voilà. J'en ai une paire des jeux. Donc oui, j'allais dire à Fragley de rester, d'attendre Roland, voilà. D'accord, je t'attends. Les Sims 4, ouais, je les ai, mais c'était pour la fille à mon ex. Et j'ai vu que je suis plus avec, bah, je l'ai encore, mais j'y joue pas. J'y joue pas à Sims 4. Il y en a un que je jouais un peu à une période, mais j'ai vite arrêté. C'était les Sims 3, pour moi, c'est le meilleur. Mais les Sims, voilà, c'est bien pour les enfants, en fait. C'est vrai que là, c'est un peu relou. Voilà. Hop, Riley est revenu. Godin. Tu vas arrêter de me protéger. Tu vas... suivre sans se fatiguer. Et c'est... Mais c'est tout. D'accord. Si ça roule trop vite, j'insiste pas. Voilà. On va suivre des marquis. Il y a encore des gens devant là. Ah, il y a Prades et tout ça qui sont à 1-10. Ok. On revient sur eux. Ah non, ils nous la mettent là. Putain. On va pas avoir le sprint. Hein. Merde. C'est pas bon pour mes calculs ça. L'écart augmente. On n'a pas besoin de rouler pour le moment. Il n'y a personne de dangereux pour nous dans l'échappée. Ouais, mais moi je veux le sprint. Ah, ça me... Continue. Le L, hein? Continue. Je comprends pas ce que tu me mets. Continue pro. Pro team. J'ai pas compris, Flavien. Putain, ils nous la mettent à fond, j'aime pas ça. Et puis j'ai personne pour me faire rouler là. Ben si, mais je dois les conserver. Le sprint intermédiaire approche pour la tête de course. Et l'on rappelle que les 15 premiers marqueront des points pour le maillot vert. Les 15 premiers, oh, ça va en fait. Si j'arrive 3ème, c'est pas mal. Taramaï, on va prendre la route Taramaï. Continue le pro team. Ouais, je vais le continuer, mais celui-là, je l'arrête pas. Hein. Je vais jouer. À fond. Mais juste après cette course-là, je pense que je vais arrêter. J'ai des trucs à faire à la maison, je vais profiter que ma fille elle dort. Je pense, je vais voir. Je vais voir ce que ma femme a décidé. La tête de course est à 3 km du sprint intermédiaire. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Oh, des marquis. Je vois des marquis en danseuse. Il m'inquiète. Lui, je prends sa roue direct. Oh, ça commence à accélérer. Oh, j'aime ça. Du coup, on va se mettre à une allure les raisonnable. Encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. On est pas mal là. Et on lâche voilà tout. Le vainqueur du sprint intermédiaire. Allez, on y va. Oh, il va nous la mettre. Oh, il va nous la mettre. Oh, il va nous la mettre. On va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. C'est bon, les gars. On a récupéré 10 points.
On a récupéré 10 points. C'est pas ce que j'aurais voulu, mais bon. Du coup, on paraît comme d'un ce coup-ci. Ah, merde. C'est bien. Ah, c'est pas ce que je voulais. Ouais, quand je reviens, ouais, je continue. Elle arrive encore à creuser. Je sais pas que l'heure je vais revenir. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir déjà ce que je fais après la course, déjà, avant d'arrêter. Parce qu'il est pas. Il est 2h quand même. Moi aussi, j'ai des trucs à faire, putain. Ça prend la tête. Putain, il y a des mecs à 2 minutes, quoi. Non, qu'est-ce que j'ai fait, putain? Ah, mes calculs ne sont pas bons, Kevin. Ah, putain de merde. C'est vraiment pas ce que je voulais. Arrête de te cramer, Roland, attends-moi. Tu vas me protéger. Viens là, arrête d'accélérer. Mais quel abruti, putain. Fallait rattraper. Ça marche. Je me ravitaille. Oh le délire. Mes calculs sont pas bons. Je pense que j'aurais dû laisser Fraile devant dans le l'échappée. Parce que là, ça pue. Les deux points montagne, je les aurais pas. Hein. Je pense pas. Ah, quoi qu'on revient sur eux. Ah, si, ça, si, c'est bon. Si, on revient sur eux, je les vois, ils sont à ligne de mire et tout. Si, c'est bon. C'est bon. J'ai un peu flippé quand même. Mais non, ça va le faire. Du coup, avec Kamda, je prends les deux points montagne et je termine avec. Avec Hirschi pour que le maillot joue. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Ça c'est cool. Faire attention à Matthews. Il y a qui derrière qui peut être dangereux là? Ah, il y a Fraile aussi qui est là. On conserve les points avec Fraile ou. Ah, il est quand même pas top forme. Comme là, il est. Fraile comme là. Ah, ça se vaut quand même. Attends, je réfléchis. On va voir. On reste comme ça, on va voir. Parce que je vois que Fraile il est juste derrière là. Si ça tient comme ça, ça me va. On va prendre un peu de bleu. Il y a deux cols, allez. On y croit. Ce qui m'embête un peu, c'est que Hirschi est en méforme alors qu'il était en pleine forme les deux courses d'avant. Donc ça me gêne un peu de. Je sais pas si au sprint il va être bon quoi. Mais Jacques Roland, j'ai pas réussi à le faire sprinter. Il est en méforme. Donc ça me fait peur. Ça me fait peur pour le final là. Vraiment. On revient sur les échappées, c'est cool. Un qui derrière là un peu. Simon.
des marquis. Ah putain. Il y a du gros, il y a du gros, il y a du gros. Roland, t'es cuit. Suivre sans se fatiguer. Qu'est-ce qu'on fait? On prend Fraile et c'est Kamna qui protège. Allez. Et c'est, comme on a dit, Kamna qui protège. Protège Fraile. D'accord. Si ça roule trop vite, j'insiste pas. Ouais. Il fait rouler son équipe pour arriver au sprint. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. L'échappé est en train de résister au retour du peloton, mais ça va être compliqué. Ouais, comme non, on y croit. Amène-moi au sommet, mon petit. Boissonnaguen, oh là 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 là, il y a du grand, il y a calmé Jeanne, Boissonnaguen, oh lo 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 lo, il y a du loup, il y a du loup. Simon aussi derrière, j'ai vu Simon, calmé Jeanne, Boissonnaguen. Pardon. Ah, elle a du mal à revenir sur eux. Hein. C'est dingue ça. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. 34 secondes. 34, ça se tient ou. 33, ouais, on revient sur eux, mais doucement, c'est abusé. Le kilomètre, et là j'attaque. Allez. Allez Fraile, et je l'aurai pas, tant pis. Ah putain, chier. Ça va, je suis dans leur roue du coup. Pour les rattraper. Tout le temps roule fort, restez bien placé. J'aurai le prochain par contre. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. On prend les corps. Avec un autre. On va prendre de la potion magique. On va prendre du bleu. T'as 30 secondes sur le peloton. Donc ça les rappelle pas hein, quand même. 23, ouais, ça revient quand même. 22. Attends, si je regarde le classement.
Ça devrait passer. À 2 km du grimpeur. Ça devrait passer. Ils reviennent vite. Ça va, je creuse l'écart quand même. On est pas mal. Et sans sprinter, je l'ai, c'est bon. Voilà. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. Allez, on part sur Hirschi. Et du coup, Frailey attend Pierre Roland. Et pour le moment, on n'est pas mal. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Allez, laissez-moi de la place pour sortir. Allez. Regroupement général, tout va donc se jouer dans le final. Mais bouge. Ouais, c'est merci. Un peloton lancé à pleine vitesse en direction de la ligne d'arrivée que l'on a maintenant et la victoire devrait se disputer au sprint. Alors on se met derrière des marquis, on va demander à Greppel de nous protéger. Protège Hirschi. Il a des pattes, il va pouvoir nous emmener. Ok, je viens de protéger. Ah mais calme et jeune, Taramae, tout ça, oh là là. Eh, c'est la totale, il roule. Ils sont 4 devant. Oh là là. 1, 2, 3, 4. J'en ai vu un cinquième sur la droite. Ah la vache. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ils sont 5 là. Putain. 6. J'en ai vu un sixième aussi. Ouais, Simon quand même calmé Jeanne. Ah la vache. Ça va être temps d'axe. Et j'aurais bien que Greppel vienne me protéger. Et pas dans une heure, mon gars. J'ai vraiment besoin de toi, là. J'ai plus personne de mon équipe, là, je vois, dans le peloton. Aïe. Et je commence à être enfermé, j'aime pas ça. Oh, putain, ça va être compliqué. Ah là 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 là. Oh, ça pue, ça. Ah, oh, y'a Benoît encore qui est là, putain. Je prenne sa roue à lui. Que je prenne la roue de Benoît. On se dirige vers un sprint massif. Je compte sur vous pour gagner l'étape. Mais putain, qu'est-ce qu'il fait, Greppel? Viens protéger Hirschi, bordel. Putain, il met une heure. Porter notre maillot vert. Il est où? Pendant le sprint, essaie de rester dans les roues le plus longtemps possible pour profiter de l'aspiration. Non, mais faut que je sorte de là, je suis enfermé là. Bouge. Il est en panne, donc il va avoir un petit peu de retard. Il est en panne. Ah merde! Attends, je me concentre sur la fin là. Putain, j'ai pas de coéquipier, ça va être tendu. Et il arrive de loin. Hein. Et ils sont là, ils arrivent. Allez. On va même dire à Godin de protéger Greppel. Hop, allez. Ok, je vais le protéger. Mais maniez-vous l'arrêt par contre. Putain, ils sont où mes coéquipiers? J'en vois aucun. Greppel, ça y est, il est là. Vas-y Greppel. Allez, je vais prendre ta roue. Allez Greppel, roule pour moi. On arrive au sprint. On doit gagner pour assurer le maillot vert. Kilomètres, allez, ça va être compliqué. Les sprinteurs sont prêts à en découdre. Bien placés dans la roue de leurs équipiers, ils ne vont pas tarder à produire leur effort.
Ah, ils m'ont enfermé, putain. Quoi? Oui? 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 Qu'est-ce que je voulais regarder, moi? Ah oui. Allez, Hershey. Allez, un kilomètre. Faut tout donner dans le sprint. Allez, Hershey. Victoire de Hershey. Bah, allez. À l'aise. Oh, cette victoire. Merci, Flavien. Oh là là, j'étais pas serein, il est en méforme en plus. J'assure le maillot jaune. Oh là 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 là. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques... Il joue les tout premiers rôles, il joue les tout premiers rôles cette année. Il est... Oh, il a tout gagné quoi. Allez. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Ok, donc Hershey premier, ça c'est good. Ensuite, au maillot à poids, un point. Enfin, un maillot jaune, quoi. Ouais, mes coureurs derrière, ils sont... à la ramasse quoi. 90e, 92, 94, 141, 144. Ok, bon, c'est pas grave. Maillot à poids. Fraile, Hershey. Bon, c'est, du coup, c'est Fraile qui garde le maillot. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien ça. Ok. Maillot vert. Maillot vert, c'est Nizzolo qui prend le maillot. Là. Un Roland, Roland, il est où Roland? 13e avec 30 points. Ça va être compliqué. Ouais, non, trop compliqué pour avoir le maillot vert. Tant pis. Maillot blanc, Hershey. Meilleur team. On est 25e. Ouais, du coup, on est dernier, quoi. Ouais, je sais pas. Je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Ok. Et. Plus combatif. Ah, on est ex-aequo. Ok. Mais apparemment, on n'est pas premier quand même, donc bon, ok. Ok, ok. Bon, est-ce que Hershey récupère de l'énergie, là? Il reste deux courses. Oh la vache, le hors catégorie, là. Bah, bah. On est à combien, c'est un profil particulier avec une difficulté majeure. Je voudrais voir le classement en fait. Mais je crois que c'est trop tard, je pourrais pas le revoir le classement, je crois pas. On va voir. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Ouais, donc en gros, tout peut se jouer, quoi.
Ouais. Celle-là va être compliquée. Bon, mes copains, on va, je pense, s'arrêter là. Donc, on va sauvegarder déjà. Voilà, voilà. On va mettre un chouï la cam. Histoire de vous voir un peu. Ah, c'était ouf! Ouf. Ces courses de porc. Ah, j'ai hâte de refaire une équipe là. Il me reste deux courses. On va finir ça tout à l'heure. Ouah, c'était dingue! Je sais pas, dans l'après-midi. Je dirais vers. Ouah, je sais pas. 2 heures. Entre 17h et 21h, je pense. Je sais pas. Je peux pas te dire. J'ai des travaux à faire chez moi, donc je vais les faire. Et puis dès que j'ai fini. Ouais, t'as vu un peu. C'est de l'entretien. C'est ça tous les matins, mon gars. Merde. C'est ça tous les matins, mon gars. Putain. Ouais, c'était dingue. Voilà. Ouais. Donc voilà, voilà les gars. Ah, c'était une putain de course de dingue quand même. Mais c'était ouf. Même hier, j'ai joué hier un peu en live. Ah là là, c'était un truc de ouf. Ouais, à toutes. Je te dis, je reviens vers, je sais pas, je dirais... ouais, avant 20h, je pense. Ah, j'ai plus de café. Oh, sniff. On va se refaire un café avant de... Avant d'arrêter. Il me reste un fond de café. Et voilà. Bon, les amis. C'était bien cool. Je vous dis à bientôt. C'était Créo. Ciao, les gars. À bientôt.